j'ai vu aujourd'hui à cet événement-là au Racing, avec mes deux fans de foot, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de venir dans le stade pour une occasion particulière. Aujourd'hui, c'est très particulier, c'est une collecte de sang mobile, comme on en fait tous les jours dans le département du Bas-Rhin. On a besoin, à l'échelle française, de 10 000 dons par jour pour subvenir aux besoins des patients. On a besoin de dons réguliers, puisqu'on a une péremption des produits une fois qu'ils ont été prélevés. C'est 42 jours pour les globules rouges et 7 jours uniquement pour les plaquettes. En un geste, en un don, ils peuvent sauver 3 vies, parce qu'on va fabriquer un concentré de globules rouges avec leurs dons, une poche de plasma et des plaquettes. Il y a une pénurie et puis je trouve que l'initiative de le faire au stade de la Méno, c'est une super initiative et là j'avais plus d'excuses pour pas me déplacer, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis venu. Je pense que c'est un acte civique, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de gratuit donc, que tout le monde possède et que tout le monde peut donner. Donc chaque fois que le Racing peut participer à ce genre d'action, c'est son rôle, son ancrage régional et son ouverture sur la société. Donc nous, on a trouvé tout à fait normal, quand on nous a demandé de faire ça, d'ouvrir les portes du Salon des Trophées pour cette collecte de sang.